Parce qu'il y a l'espace de zéro. Une voile solaire, c'est comme une espèce de grand miroir qui est déployé dans l'espace et qui va venir réfléchir la lumière. Quand les différents photons vont venir frapper la voile, donc cette espèce de grand miroir ultra fin, en fait, ça va pousser petit à petit la voile. Et donc l'idée, c'est de prendre une charge utile, de l'équiper de cette voile et de la transporter d'un point A à un point B. Aujourd'hui, sur les satellites qui ont été lancés depuis 1957 dans l'espace, il n'y a eu que très peu de voiles solaires. Elles se servaient de mâts pour déployer la voile. C'est-à-dire qu'on a notre charge utile, notre bus, avec quatre mâts qui vont se déployer, et ces quatre mâts vont étirer une voile solaire. Les Japonais ont choisi une technique un peu différente, et c'est celle qu'on choisit chez Gamma. On se sert de la force centrifuge et de la rotation du satellite sur lui-même pour dérouler une voile, un petit peu à la manière d'une fleur, et d'être maintenue ensuite raide grâce à la raideur gyroscopique, grâce à la rotation du satellite. La voile solaire que nous développons chez Gamma sera la première voile solaire française et la première voile solaire européenne à partir dans l'espace. Pour l'instant, chez Gamma, on travaille sur notre première mission de voile solaire qui partira au mois d'octobre. L'objectif, c'est d'envoyer un petit CubeSat, 6 unités, donc ça fait à peu près la taille d'une boîte à chaussures. On va l'envoyer en orbite basse. Et à travers ce lancement, on va en fait faire notre premier test de déploiement de la voile solaire. C'est une voile qui va faire à peu près 75 mètres carrés, un tout petit peu plus petit, qui est composée de 4 pétales, qui sont des trapèzes. Et au bout de chacune des arêtes du pétale, il y a ce qu'on appelle des masselots, de la masse, c'est ce qui va permettre de pouvoir venir déployer la voile. L'objectif, c'est avec la voile solaire de nous passer de carburant et donc de pouvoir miniaturiser encore plus notre système propulsif et donc d'avoir des satellites qui soit emportent davantage de charge utile, soit ont une masse qui est moindre que ceux qui sont équipés avec des types de propulsion classiques. On n'a plus besoin de carburant, on peut équiper des nanosatellites et partir sur des missions très lointaines. Jusqu'à présent, c'était assez compliqué et là, ça permet vraiment de révolutionner l'utilisation du nanosatellite en deep space. Notre rêve, je pense, ce serait de partir le plus loin possible, partir vers Neptune par exemple, et de pouvoir faire, je sais pas moi, un survol de Neptune, que ce soit l'une de ses lunes ou je sais pas, mais quelque chose d'assez exceptionnel parce que je pense que c'est ce qui motive toute l'entreprise ici, c'est vraiment la découverte de l'espace et le côté next frontier, quoi, le côté vraiment l'ultime frontière dont parlent les Américains. D'abord, nous, on vise l'environnement deep space, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les startups sont plutôt orientées orbite basse, soit pour de l'observation de la Terre, soit pour des télécommunications, de l'Internet des objets, etc., etc. Nous, on a envie d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer à 400, 800, voire 1 000 km autour de la Terre, on va évoluer à des millions de kilomètres autour de la Terre. C'est vraiment notre objectif. Et ensuite, le second très distinctif, j'allais dire le second avantage qu'on a, c'est que on va travailler main dans la main avec les agences spatiales en se ainsi que dans une première étape de la vie de la société, Gamma se destine à rendre des missions d'exploration beaucoup plus accessibles d'un point de vue économique.